mon lunch aujourd'hui, je vais prendre du quinoa que j'ai fait dans le dernier meal prep. Fait que ça est tellement bon, j'ai tellement de dîner pour ça. Un petit yogourt avec des fraises. Et puis ici, on a des petites collations. Fait que des petites rackets. Je n'amène pour tout le monde de ma job. Des petits poissons. Et puis un paquet de noix. Il reste juste une fin d'œuf. Fait que je me suis dit que j'allais apporter le paquet au complet. Bon matin, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, enchantée. Je m'appelle Caroline. Je travaille en marketing pour une agence et puis je fais plein d'autres choses. Je m'apprêtais à quitter relativement bientôt pour aller travailler. Là, j'étais en train de faire exporter un vlog qui soit en ligne cette semaine. Et je voulais vous montrer mon petit outfit. J'ai acheté cette chemise-là sur Bon Magasinage que j'aime vraiment beaucoup. C'est une chemise Aritzia. Donc c'est mon deuxième morceau Aritzia. C'est fou comment la qualité de leurs morceaux sont incroyables. Mais je me résoudrai jamais à payer full prix pour leurs affaires. Je ne peux juste pas physiquement. Je peux pas. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Elle est un petit peu grande pour moi, mais pour de vrai, j'ai roulé les manches puis je trouve que c'est parfait. J'ai décidé de mettre ça avec des leggings en faux cuir et des petits souliers plats comme ceci. Désolée, tout le bordel. Avec des petits bijoux réguliers pour agrémenter le tout. À chaque début de semaine, on dirait que je déménage, mais j'ai mon petit sac avec mon portefeuille puis toutes mes affaires, mon ordinateur, café et mon petit lunch là-dedans, juste parce que je trouve pas la boîte à lunch assez bien, bien belle. Fait que je la mets dans ce beau petit sac du Winners là. Donc aujourd'hui, petite journée au bureau. Je suis vraiment, vraiment genre angoissée aujourd'hui. Là, j'ai comme le souffle court. Ça file so-so. Ça file so-so. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps rose, mettons, avec le travail, avec le bureau. Fait que c'est quand même assez difficile. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails là-dedans, là, mais ouais, c'est un petit peu tough. C'est un petit peu tough. Fait que je me laisse le temps. Je me laisse le temps de m'adapter. Je me laisse le temps de m'ajuster et tout. Là, fait que les choses vont. Je me dis toujours, tout finit toujours par bien finir. Fait qu'on va espérer que ça se passe comme ça. Mais bref, rien de prévu en particulier aujourd'hui. On va voir comment la journée se dessine. Je pense qu'on doit avoir des meetings, là, genre deux meetings ce matin, quelque chose comme ça. Fait que ça risque de passer assez vite ce matin. Fait que je pourrais vous donner des nouvelles après la journée de travail. La journée est terminée. Il est rendu 5h10 et I am in the traffic. Ça a l'air de déboucher, là. Tranquillement, pas vite. C'est une artère très utilisée. On va se dire ça comme ça, là, à 5h, c'est quelque chose. Mais je me rassure en me disant que l'autre côté, c'est encore pire. Donc, ouais, la journée a été quand même assez tranquille. Ça a passé vraiment vite, par exemple. Ça, c'est toujours le fun. Puis, c'est quand même fou. Demain, on est au milieu de la semaine déjà. Fait que j'ai l'impression que ça va passer quand même vite aussi pour, c'est ça, pour les dernières journées de la semaine. Je file un peu mieux que ce matin, si jamais ça vous intéressait. Ouais, j'étais vraiment pas dans un bon headspace ce matin. J'étais vraiment stressée et angoissée. Fait que je suis contente que ça ait passé un petit peu. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, là, mais... tu sais, des fois, t'es à un certain endroit dans ta vie que tu pensais être bien, puis que finalement, tu te remets en question. Ça vous est-tu déjà arrivé? Tu sais, ouais, c'est ça. J'aime vraiment le monde avec qui je travaille. Ça, je trouve ça super cool. Je me rends compte que peut-être. En tout cas, c'est sûr et certain que je ne ferai pas ma vie à faire ce genre de choses-là. Parce que moi, axé sur la performance tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans prendre en considération le volet. En tout cas, à moins prendre en considération le volet ressources humaines, c'est pas quelque chose qui me fait capoter. J'aime vraiment les relations interpersonnelles, puis je me rends compte que c'est quelque chose que qu'il faut qu'il soit vraiment présent dans mes... pas dans mes tâches quotidiennes, mais ouais, dans mon emploi en général. Puis là, j'ai comme presque aucun contact avec les clients. Je trouve ça quand même... tu sais, je suis exécutante, là, à fond le caisson. Fait que c'est peut-être la partie avec laquelle j'ai un petit peu plus de difficultés en ce moment. Tu sais, c'est en grosse restructuration aussi, là, compte tenu du fait que l'équipe s'agrandit très vite. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a des affaires qui vont s'ajuster au fil du temps. C'est beaucoup d'essais-erreurs pour tout le monde, là, veux pas, quand t'as une entreprise. Fait que c'est ça. C'est ce que je peux vous donner de plus précis. C'est quand même assez précis. Back home, baby!
Hey, oh my god, j'ai de la difficulté avec mon vlog que j'essaye d'exporter depuis hier et ça ne fonctionne pas, puis je comprends pas qu'est-ce qui marche pas. Il y a des erreurs de clip. Error compiling movie exporter return bad result. 4 essais plus tard, ça a fini par fonctionner. Ouais, je suis trop contente. Fait que là, on s'installe puis on va écouter un petit épisode des Sons of Anarchy. Anarchy? Des Sons. Woo. Anto, il fait un petit lit à Taz. Là, tous les matins, il est couché ici, sur le bord de la fenêtre. Oui, regarde les devoirs. Donc, la nouvelle collection est sortie cette semaine. Et ce que ça représente, c'est ma cuisine qui vire en champ de production Post-Canada. Voici mon petit outfit du mardi. Et c'est rare que je prends des clips dans ce coin-là. Ça, c'est le côté en tout. Fait que... c'est ça. D'habitude, je reste de mon bord. J'ai décidé d'y aller vraiment automnal, comme je vous disais. Fait que un petit chandail comme ça qui venait du Urban Planet. Je pense qu'il est encore disponible d'ailleurs. Mes pantalons viennent du Suji Sheer. Mais l'année passée, je les aime vraiment beaucoup les pantalons qu'ils ont. Plus pour justement un petit peu plus chic là. Fait que je les ai tellement portés ces pantalons-là. Si vous me suivez depuis l'année passée, vous le savez. Et puis des petites bottes ben normales que je me suis procurées au Arden il y a pas si longtemps que ça. Que je vous avais présenté dans un des derniers vlogs. Fait que... on va ramasser les petites choses, puis on va partir. Je me suis acheté un petit manteau parce que il fait 13 ce matin, c'est pas chaud. Il y a pas une bruit cabra. Aujourd'hui, c'est la fête à mon frère, à mon petit frère. 25 ans. Ça n'a pas d'allure, il me semble que moi j'avais 25 ans hier. Fait que ouais. On est allé bruncher avec eux autres en fin de semaine, dû au fait que mon frère travaille principalement l'après-midi et le soir. Fait que il n'y avait pas congé jusqu'à, je pense, la semaine prochaine, milieu de semaine. Fait que éventuellement, on va se faire un autre souper, là, mais pour le moment, on s'en tenait au déjeuner qu'on a fait la semaine passée. Dans la semaine passée, on a eu un meeting avec notre gestionnaire, l'équipe de marketing, pour savoir, c'est-à-dire l'autre fille et moi, pour savoir les projets qu'on avait à faire, sur les tâches qu'on avait à faire pour les projets qui arrivaient à terme ou peu importe, qui sont en cours de route. Fait que j'ai fait pas mal tout ce qu'il m'avait demandé. Hier, on a révisé quelques petites choses là, que justement j'ai fait pour ceux qui connaissaient un peu des chatbots. C'était ma première expérience de chatbot. Fait que hier, on s'est rassis ensemble puis on a regardé ça juste pour justement changer une couple de petites choses qui pouvaient être améliorées vu que c'était la première fois que je le faisais puis j'y allais un petit peu au guess. Mais c'était vraiment cool. J'aime toujours ça, essayer des nouvelles affaires là. Fait que tous les projets que j'ai en route en ce moment, c'est comme du à venir. Fait que c'est assez tranquille de mon côté, tout ça pour dire ça, c'est assez tranquille de mon côté. Fait que je vais lui demander si elle a pas certaines choses à me faire aujourd'hui, pour le reste de la semaine là, du moins. Fait qu'on va voir ça, sinon je pense qu'il y a un meeting avec un client dans lequel je n'étais pas supposée être, mais le client hier m'a écrit... une affaire que je travaille pour lui, il veut qu'on s'en jase, fait que peut-être que je vais assister à une partie du meeting. Good morning! Hello! La journée numéro 1 est terminée. Je commence la journée numéro 2. Donc, je sais pas pourquoi, on dirait que ça va vraiment par période là. Notre compagnie de photo vidéo, des fois on a genre vidéo, des fois on a vraiment genre plein de choses, des fois on a sweet fuck all. Puis pour vrai là, cette semaine on a genre 4 tournages. Moi je peux pas y assister. Puis ça je trouve ça poche parce que c'est genre ma partie préférée. Dans le fond, comment on fonctionne maintenant depuis que je travaille là? Le fait que je me prenne une job aussi, c'était un petit peu un consensus pour Anto et moi, pour que les deux on puisse acheter une maison ensemble. Fait que
lui, sa part des choses, c'est d'aller justement faire les tournages, faire les photos, les vidéos, ce genre de choses-là. Puis après ça, la plupart du temps, moi, je vais les retoucher, rendu ici, puis je vais faire, tu sais, le back and forth avec les clients et tout. Mais c'est ça. Ce soir, il y a des photos. Fait qu'on va aller là, je suis en train de tout charger. L'équipement, le stock qu'on a besoin. Il y a une batterie qui n'a pas de chargeur, fait qu'il va falloir que j'alterne. Je vais charger la caméra aussi, sortir ce qu'il y a besoin. Fait que comme ça, au moins, elle l'aide un petit peu vu que j'irai pas là-bas. Parce que moi, j'ai d'autres choses à avancer. Cette semaine, c'est débile. J'ai vraiment l'impression de courir genre comme une poule pas de tête. Je sais pas si c'est le fait que c'est condensé à 4 jours puisque c'est une semaine de 4 jours. Ou quoi d'autre, là, mais j'étais censée arrêter, acheter du lait en plus en finissant et j'ai complètement oublié. Fait que je vais terminer ça, je vais m'installer à l'ordinateur, j'ai une couple de petites choses à faire, fait que répondre à des courriels, des envois à des clients, confirmation de tournage, ce genre de choses-là. Fait que je pense que je vais faire ça, je me demande si je vais pas commencer le montage d'un vlog tant qu'à être là, puis ça va ressembler à ça jusqu'à présent. Fait que, yeah! T'en veux combien? Bon, fait que moi j'ai pas tant faim, mais on avait rien planifié pour souper, fait que je vais faire des coupettes de poulet à Anto. Je vais juste checker à combien on va mettre le four, vu que j'avais jeté la boîte et j'avais juste découpé le petit carton. Pour avoir les instructions de cuisson. Est-ce que je suis sortie pour juste m'acheter un verre de vin? Non, pas juste ça, du lait pour mon café aussi. Ça fait genre 3 jours que j'ai envie de boire un verre de vin, puis j'en avais plus. Fait que j'étais allée m'en acheter, j'étais allée au dépanneur, non c'est pas vrai, j'étais allée à l'épicerie, j'étais allée m'en acheter, puis j'ai acheté du lait aussi en même temps pour notre café de demain matin, parce que j'avais oublié qu'il fallait que j'arrête en revenant du travail. Fait que là, je tackle les petits morceaux en tôt. J'étais censée, j'avais tellement d'autres affaires à faire ce soir, genre faire du montage, plein d'affaires, mais il est rendu 8h30. Anto, je sais que ça va lui faire plaisir, ça va lui donner un gros coup de main vu qu'il est en train de faire les photos. C'est ma partie pour compenser du au fait que je reste ici. Fait que c'est ce que je fais. Mais ce qui est cool de quand je fais ça, c'est que je peux écouter des petits vlogs en même temps. Donc, c'est ce que je vais faire. 20 vlogs et vêtements. C'est déjà un matin productif. Fait que ça, c'est super le fun. J'ai eu le temps de faire le montage d'un vlog ce matin que j'ai pas eu le temps de faire hier. Fait que on aime ça. Là, je me suis habillée, je me suis changée. J'ai mis ce petit veston-là que je m'étais procuré sur Bon Magasinage, qui est en réalité un veston dynamite, qui était complètement neuf, que j'ai payé, je pense, 15$ plus le shipping. Fait que je suis vraiment contente. C'est la première fois qu'il fait comme assez frais pour que je puisse le mettre. J'aime les petites épaulettes aussi, c'est comme pas trop intense, mais juste assez. Il y avait une ceinture aussi à la taille, mais j'ai décidé de l'enlever, puis j'aime le petit look un petit peu plus, ample et confortable. J'aime ça avec des leggings en faux cuir qui viennent du Urban Planet. Je les aime vraiment, leurs leggings sont vraiment légers, mais je trouve ça parfait justement pour mettre avec des laines, des affaires de même, puis des petits souliers. Ben simple, je me suis fait une couette aussi par mes cheveux, ils sont très sales. On commence vraiment à être dû pour faire une épicerie, fait que mon lunch est assez limité. J'ai une petite salade de quinoa que j'ai faite en fin de semaine passée. Ça, c'était la portion en tout. Il m'a dit qu'elle allait pas manger. Fait que moi, pour vrai, je pense que c'est rendu ma nouvelle affaire préférée pour les lunchs, parce que c'est super bon. Ça me bourre quand même vraiment pas mal. Puis je mets plein de légumes là-dedans. Fait que c'est bon pour la santé. Puis c'est pas des glucides. Je vais vraiment essayer de diminuer ma quantité de glucides que j'indigère. Parce que c'est vraiment ça, j'ai l'impression, qu'il me fait comme enfler tout le temps. Fait que ça, c'est une bonne alternative. Je voulais une petite bartende, mais on a presque plus rien. En fait, j'aime avoir des petites collations, mais c'est ça. La seule chose qui reste, c'est ça. D'habitude, c'est pour Anto, mais c'est des bartendes cachées, cette céréale avec quinoa. Ça va être une journée quinoa. Briseau de chocolat et chia. Fait que sa nutritionniste, elle avait dit que ça, c'était vraiment bon. Je me suis pris des petits biscuits dessert. Avec une compote de pommes et une petite pêche. Bon, j'ai toujours des petits roquettes dans le fond. Puis un petit pot de café pour notre machine espresso là-bas. On a le droit, eux autres en ont pour nous, mais ils ont un contrôle là-dessus. Fait que bref, je m'en amène un d'un coup que m'a donné. Ça me tente d'en prendre un sans demander à quelqu'un. Bien le bonjour donc, il est rendu 5h05. J'ai l'impression que je vous ai quasiment pas filmé aujourd'hui. Pour vrai, c'était pas une journée qui s'avérait ou qui a été nécessairement super excitante. Ça s'avérait en fait pour être super tranquille. Puis finalement, on a eu, comme d'habitude, de plusieurs petites choses qui ont finalement survenu. Fait que c'est toujours le fun dans ce temps-là quand on est occupé. Fait que c'est ça, là je m'en allais à la maison, il est 5h, oh my god, je suis tellement down. Hier, je suis restée poignée 45 minutes dans le trafic, j'habite à 7 minutes de chez nous, là, je capotais. Fait que j'espérais vraiment
que ce soit pas le cas encore ce soir parce que j'étais pas prête à me retaper. J'avais pas le mental assez fort pour me retaper ça ce soir. Et je suis heureuse de vous annoncer que ce n'est pas le cas. Mais, ok, juste un petit peu. Mais c'est vraiment moins pire qu'hier. Je m'en vais à la maison ce soir. Anto et moi, on s'en va faire une petite date au resto. Fait que j'ai vraiment hâte. Au début, on s'était dit qu'on allait se faire genre une date à chaque semaine au resto. Tu vois, prendre le temps d'être ensemble puis de se parler sans être, tu sais, à la maison puis travailler à moitié en même temps ou être sur nos téléphones. Fait que quand on est au resto, on est vraiment présent un avec l'autre. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire ça. C'est sûr que ça, c'était il y a quelques mois puis là, la vie a changé un petit peu. Fait que chaque semaine s'est transformée peut-être plus à chaque mois. Mais c'est mieux que rien du tout. Fait que ce soir, on va aller manger au Eduardo, qui est probablement un de mes restaurants préférés à Montréal, dans la petite Italie. C'est un restaurant de pâtes. Apportez votre vin, fait que ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte. J'ai super faim puis j'ai tellement envie de manger des pâtes. Je suis en train de faire des tests avec mon trépied que j'avais dans mon auto pour mon ancienne caméra. Là, je veux juste voir de quoi ça a l'air, mais je suis pas capable de mettre l'écran complètement levé, vu que sinon ça accote dans la vitre. Fait que là, je fais juste une petite test. Je vais voir de quoi ça a l'air. Ça a quand même pas l'air si pire que ça. Il me semble que dans mes souvenirs, j'étais vraiment, comme je vous ai dit dans un des derniers vlogs, une petite tête flottante. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un bon setup pour vlogger dans la voiture? J'ai pas beaucoup vlogué hier soir, pour vrai, j'avais vraiment juste envie de profiter du moment avec Anto. Mais c'était super le fun, on a eu un très bon et beau souper et soirée. Belle, en tout cas. J'ai pas d'élastique, 2 secondes. Je suis en train de me préparer, aujourd'hui on est vendredi, dernière journée de la semaine. Ça a comme passé vite cette semaine, on dirait, à cause que justement c'était une petite semaine, puis qu'on était... off lundi. Aujourd'hui, je vais être la seule de l'équipe marketing qui va être là parce que une de mes amies, elle s'en allait en petit road trip d'une fin de semaine avec son chum, puis ma boss a déménagé. Fait que ça ne sera que moi aujourd'hui. Là, faut juste que j'enlève mon mascara sur le dessus de mes yeux. Hier, j'ai oublié de le faire. Puis je suis arrivée au travail avec plein de mascara sur mes paupières. Fait que c'était vraiment un beau petit look. Aujourd'hui, grosse journée comme... c'est-tu à vous que j'ai dit ça ou en tout? En tout cas, je sais plus, là, je me mélange. Mais bref... la maison! Ah, la journée a bien été, ça a tellement passé vite ça que le monde de ma job m'en disait. J'ai l'impression aujourd'hui que ça a été le genre de journée où est-ce que t'as eu comme 2 journées dans une tellement... que c'était fou! Mais on y est passé à travers, on a passé à travers, on y est arrivé. Ah, il est rendu 6h, je viens d'arriver. J'étais arrêtée au resto en revenant de l'agence parce que j'avais des petits trucs à aller leur reporter. Puis je voulais aller voir le monde. Fait que j'ai l'habitude de les voir à chaque semaine. Fait que là, ça fait genre deux semaines, je pense. Je les ai pas vus, j'ai comme, oh, je vais aller leur dire un petit coucou. Puis justement, redonner ça à mes boss. Et puis j'en ai profité pour arrêter à l'épicerie qui était juste à côté. Fait que j'ai pris. Des trucs anti-pasti pour faire un petit souper à la maison tranquille. Sérieusement, je suis exhaustée. Je suis fatiguée de ma semaine. Je suis brûlée. J'ai hâte de me mettre en mou, de relaxer, d'écouter des films toute la soirée puis de absolument rien faire. Ah, Anto aussi a eu une méchante semaine. Lui, c'était le lancement de Optional. Et quand je fais des weekly vlogs, on le voit quasiment jamais hein, parce que lui aussi travaille vraiment beaucoup. Fait que ouais, c'est ça, lui c'était la semaine de lancement, là, ça va faire une semaine que c'est lancé aujourd'hui je pense d'ailleurs. Fait que pour lui dans ce temps-là, là, c'est débile, il fait genre des semaines de 60 heures. En plus des photos qu'il est allé faire, en plus de tout le kit, fait que c'est quand même quelque chose. Fait que les deux on avait vraiment hâte, je pense que genre même on va pousser ça à l'ultime là, puis on va se mettre le divan-lit, on va s'ouvrir le divan-lit, puis j'ai hâte à mon petit verre de vin du soir pour décompresser. Je veux pas commencer à boire chaque jour en passant. Déjà? Oui, c'est ça que je fais. Ça va? Mm-hmm. Oui. Il faut tiquer. Mm-hmm. Fait que ouais, on a acheté plein de bonnes... on, avec plus seulement moi, a acheté plein de bonnes choses pour un bon petit souper, une petite soirée tranquille. Fait que je pense que moi, je termine les vlogs là-dessus. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis nous, on va se voir très bientôt. Bye bye tout le monde!